Donc on a voulu organiser un peu cette journée pour faire partager un peu nos pratiques, comment on travaille avec l'allemand, parce qu'il y a longtemps qu'on travaille avec eux. Ce qui m'intéresse et ce que j'ai trouvé très bien, c'est l'aspect pratique. On va sur une exploitation, on n'est pas dans un laboratoire, on va voir des éleveurs qui ont utilisé les solutions et qui peuvent en parler en connaissance de cause, et on rassemble des éleveurs avec des techniciens. C'est exactement ce qu'on attend d'une firme qui va vendre des additifs, c'est qu'elle amène avec des clés d'évaluation. Et ce qui se passe aujourd'hui sur cette exploitation, c'est ça. Vous rentrez 100 tonnes de matière sèche de marchandises, vous rentrez 95 000 UF, vous rentrez de la protéine. L'objectif, c'est qu'à la gueule de l'animal, on en ressort un maximum et de qualité optimum pour éviter des problèmes sanitaires sur le troupeau. Donc, évidemment, on donne des consignes de densité. Quand on se déplace, on aime bien voir des réponses à certaines questions. Et surtout à des évolutions qui parfois sont pas forcément faciles à mettre en place tout seul. Donc là, ça permet d'avoir une idée un peu plus précise. Donc on fait un tour de tous les ateliers, on voit la plupart des aspects liés à l'affouragement sur une exploitation. Que ça soit la fabrication du fourrage de base, que ça soit les aliments concentrés, la digestion, les problèmes de panse chez une vache, on a fait le tour de tout. Il y a des changements qui s'opèrent dans le métier, d'un point de vue environnemental, pour répondre à l'attente sociétale, et aussi d'un point de vue contrainte du travail en tant que tel pour nous les éleveurs. On est à la recherche d'améliorer nos conditions de travail et aussi d'améliorer le bien-être des animaux. Franchement, l'agriculture et notamment l'élevage laitier est un carrefour qui est lié à la digitalisation de l'élevage. Maintenant, on est capable de mesurer ce qui se passe dans la vache. On est aussi capable de mesurer son comportement de rumination. Donc c'est vraiment un tournant et c'est aussi quelque chose qui est retranscrit dans les aspects de nutrition, qui est la nutrition de précision. La nutrition de précision, en fait, c'est une meilleure connaissance. On a un grand défi, un énorme défi. C'est qu'il y a une sensibilité de plus en plus importante sur l'environnement, mais qu'il faut produire de plus en plus de nourriture. Comment concilier les deux? Et c'est qu'avec des gens type l'allemand qu'on va réussir à trouver des solutions innovantes sans endommager trop l'environnement avec certaines choses qu'on a pu faire dans le passé quand on connaissait encore pas tous les tenants et aboutissants. Les moments forts, moi je dirais, c'est quand les éleveurs viennent nous voir après la visite, qui viennent nous dire « j'étais content de venir voir l'élevage et j'en ai appris et ça va me faire réfléchir sur beaucoup de choses ». Et c'est dommage que mes associés ne sont pas venus.